Il était une fois, c'est la bonne façon de commencer. La vérité, les histoires, il ne faut pas oublier de raconter. Once upon a time, this is the great way to begin. Truth and stories of all kinds, your imagination will fly like the wind. Il était une fois, c'est la bonne façon de commencer. La vérité, les histoires, il ne faut pas oublier de raconter. Jamais oublier, jamais oublier, jamais oublier. Parce que, mes amis, il était une fois histoire et vérité. Donc, dans cette histoire, histoire et vérité, c'était des amis. Très amis. Si amis qu'ils habitaient à côté l'une de l'autre. Leur maison était séparée uniquement par une petite clôture. Et chaque jour, quand elle sortait de leur maison, elle s'est trouvée sur le jardin. Et du jardin, elle s'est saluée. Hey! Buongiorno, storia! Come va? Buongiorno a te, Verità! Tutto bene? Buona giornata! Buona giornata a te, amica mia. There was an old woman. I should say ancient woman. She had been traveling for years and years and years. The whole country wide, from south to north and east to west. And she had a genuine love for people. She wanted to share with them and she wanted to hear what they had to say. Somehow, whenever she reached, let's say, a village or a town, all the people saw her coming. When they saw her approaching, they turned their backs onto her. They barred their doors, they closed their windows and their curtains. And so the old woman was left there all by herself. And whenever she needed a little bit of food or a sip of water, she would never get anything from them. She was there on her own. And on this particular day, she had reached this village. And all the people would have, again, none of her. So she sat on the bench at the edge of the village square, sorrowful. Je peux vous dire une chose. Il y avait une énorme différence entre elles. Donc, histoire était vraiment populaire dans le village. Elle avait des amis partout. Et chaque jour, quand elle sortait de sa maison, elle marchait sur la route. Les gens voulaient parler avec elle, les gens voulaient se présenter, les gens voulaient l'embrasser, ou passer un peu de temps avec elle, ou manger, ou boire un café avec elle. Les gens voulaient entendre toutes les choses que histoire avait à leur dire. Je vous répète encore, histoire était vraiment, mais vraiment, mais vraiment populaire dans tous les villages. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que vérité avait le même nombre d'amis que histoire, la même quantité? Non, vous avez raison. Vérité était seule, elle avait personne. Elle avait uniquement son amie histoire, donc elle était triste. Chaque jour, au contraire d'histoire, quand elle marchait sur la route, les gens la évitaient. Personne ne voulait parler avec elle, personne ne voulait manger quelque chose avec elle, personne ne voulait rester avec elle, personne ne voulait entendre les choses que vérité avait l'air dire. Elle était si triste qu'un jour, en pleurant, elle va frapper à la porte de son amie histoire. What is this? All of a sudden, the
dust, which grew bigger and bigger. And from it emerged a shining, golden, riding horseman. And he galloped at full speed and reached the center of the village square. And all the people emerged from their houses. They opened their doors, they opened their windows and their curtains. And they welcomed the riding horseman. They gathered around him. They offered him the best of food, the most delicious wine. And they wanted to hear what he had to say. The old woman was still on her bench all by herself. She looked at this in awe. And slowly, ever so slowly, she rose. And she walked to where the riding horseman was. And she took his attention. She tugged at his cloak and said, "Are you the king?" No, Mavuni, no, I'm not the king. But all these people are all gathering around you, I mean, and they're offering you their best and they're talking to you as if, "Yes, I know. But what is your name?" said the old woman. "My name is Story." Histoire ouvre la porte. Et elle voit, et son amie Vérité est à genoux devant elle. En pleurant, Vérité lui dit, "Aide-moi, ah, aide-moi mon ami. Aide-moi à trouver des amis comme toi. Aide-moi." Bien sûr, Histoire, elle prend sa main, elle l'amène dans la maison, et pour elle, elle prépare des choses à manger. Du thé, du biscuit. Et donc, Vérité commence à manger le biscuit et à boire le thé. Petit à petit, c'est calme. Maintenant, Histoire peut lui parler. Il lui dit, "Mon ami, ouvre les oreilles maintenant. Parce que maintenant je vais parler clairement avec toi. Maintenant je vais te dire pourquoi tu es seul dans le village. Pourquoi personne ne veut rester avec toi. Regarde-toi. Regarde-toi, Histoire à Vérité. Mais tu ne comprends pas. Tu vas tous les jours de ta vie à marcher dans le village comme si de rien n'était. Complètement nu." Et en ce moment, Vérité est seule. Et elle voit que Histoire a raison. Elle est nue, nue, sans vêtements. En italien, on dit nuda, nuda senza vestiti, nue comme le jour où elle est née. Et Histoire fait un grand sourire et lui dit, "Viens avec moi, je vais t'aider." Elle prend sa main et elle l'amène sur les greniers. Et là-haut, il y a une porte. Histoire ouvre la porte. Et au milieu du grenier, il y a une caisse en bois, énorme, gigantesque. Et là-bas, Histoire sort une clé de sa poche, elle ouvre la caisse. Et comme Vérité regarde dans la caisse, elle ouvre ses yeux. Parce que la caisse, oh, oh, est pleine de vêtements, de chaque couleur, de chaque forme, de toutes les formes. Et donc, bien sûr, vous savez, Vérité... Alors elle commence à essayer les vêtements, mais celui-là est trop long, celui-là est trop court, cette couleur ne l'aime pas. Mais juste au fond de la caisse, il y a le dernier vêtement. Elle le porte, et sur son corps, le vêtement, ah, est parfait. Elle fait un grand sourire. Elle embrasse son ami Histoire, et Histoire lui dit, "Vas-y, vas-y à marcher sur la route." Et Vérité sort de la maison. Elle commence à marcher et, comme vous pouvez penser, quelque chose de très étrange se passe. Quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Elle marche sur la route et les gens la voient et tout le monde veut lui parler, tout le monde veut se présenter. Les gens disent, "Mais regarde, mais quelle femme !" Et bon, les gens veulent entendre les choses que Vérité avait l'air raconté. C'est clair. Rapidement,
vérité, vraiment rapide, ce fut le même nombre d'amis que histoire, la même quantité. And may I ask, my dear, may I ask what your name is? You look so sorrowful, so forlorn. And the old woman, she looks deep into the eyes of the riding horseman. She says, my name is Truth. Now I understand the story. But this is not the way it should be. For you see, I have an idea. What about you coming with me, traveling with me, be my companion? Why don't you ride on my horse? Why don't you ride behind me, hidden under my cloak? And then, whenever we would reach a village or a town, people would welcome us without knowing you're here. They would give us the most delicious food, the most beautiful wine, and you would have your share of it. And whenever I would tell my stories, you would be so close to me, that a little bit of truth would actually be expressed in my voice, in my words. And so you would have a voice at last. And this is why we're telling stories, isn't it? C'est pour ça. Oui. C'est juste pour ça qu'il nous raconte les histoires. Parce que dans le monde entier, personne n'aime voir la nue vérité qui marche dans les villages comme si de rien n'était, complètement nu. Because, well, this is the way we tell stories, and this is why we tell stories, because no one in the whole wide world likes to see the truth start naked, walking past. Ce qui est la meilleure façon, juste la bonne façon, de dire la vérité à quelqu'un, c'est de prendre, voilà, la nue vérité, comme ça. So the best way to tell the truth to someone is to take the stark naked truth. Et de l'habiller avec une belle et parfaite histoire. And to dress it with the most beautiful, the most perfect story. Il était une fois. C'est la bonne façon de commencer. La vérité, les histoires, il ne faut pas oublier de raconter. Et j'avais oublié, Oui, en fait, il était une fois. C'est la bonne façon.